Bonjour à tous, Carole Caudrelier, facilitatrice certifiée des classes d'introduction X-Men. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un outil dont je me sers tous les jours et vraiment qui m'a sauvée à plusieurs reprises. Un petit outil très simple qui pourra être utilisé aussi par toutes les personnes qui sont un petit peu ultra sensibles, qui sont comme des éponges, qui réagissent beaucoup à tout ce qui est environnement extérieur. Cet outil, il s'agit de à qui ça appartient. Alors, c'est très simple. En fin de compte, pour toute pensée, émotion, sentiment, intensité que vous pourriez avoir, que vous pourriez ressentir à l'intérieur de votre corps, ayez le réflexe, ayez la conscience de poser cette simple petite question à qui ça appartient. Est-ce que ça m'appartient à moi ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Si ça s'allège, et 99% du temps, nos pensées, sentiments, émotions et intensités ne nous appartiennent pas. Donc si ça s'allège, ça veut dire et ça signifie que ce n'est pas à vous. Auquel cas, très simple, il va vous suffire de renvoyer à l'expéditeur avec la conscience attachée la pensée, le sentiment, l'émotion ou l'intensité que vous avez perçue. Alors n'oubliez pas, nous sommes pour la plupart comme des antennes géantes qui perçoivent les ondes, qui perçoivent tout ce qui les entoure à plusieurs kilomètres et milliers de kilomètres à la ronde. Et c'est ce qui explique que parfois nous agissons comme des buvards, comme des éponges et que nous allons percevoir avec beaucoup beaucoup d'intensité des choses qui ne sont pas à nous. Donc n'oubliez pas à qui ça appartient et véritablement cet outil va changer votre vie, va changer votre réalité et va vous permettre véritablement de pouvoir faire des choix en conscience en étant vous-même. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.